Bonjour, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super bien, parce que la météo a été clémente et comme je l'évoquais lors de ma précédente vidéo, cette fois-ci, je peux tourner celle-ci dans la nature, donc en plein milieu de la nature, dans un endroit que j'affectionne particulièrement. Je viens me promener souvent et ça tombe plutôt bien puisque justement aujourd'hui c'est de la nature dont j'aimerais vous parler. Beaucoup d'entre nous vivons dans la jungle urbaine. Ça a été mon cas également, puisque pendant très très longtemps, j'ai vécu en Île-de-France. Donc, la jungle urbaine, je sais ce que c'est, je connais plutôt bien. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'opportunité de quitter l'Île-de-France pour m'installer en Bretagne, où je suis maintenant depuis bientôt 15 ans. Et je ne vous cache pas que vous m'auriez dit peut-être il y a 10 ans auparavant qu'un jour j'aurais vécu dans un endroit comme celui-là, je vous aurais très certainement ri au nez en vous disant « Non mais tu rêves, jamais de la vie quoi ». Et pourtant aujourd'hui, pour rien au monde, je ne retournerai en arrière et pour rien au monde, je ne retournerai habiter dans ce que j'appelle une jungle urbaine. Tout simplement parce que j'ai trouvé mon équilibre ici et que je m'y sens bien et que forcément ma qualité de vie a considérablement changé, évolué dans le positif et que aujourd'hui pour moi la qualité de vie ça n'a pas de prix. Dans cette vidéo j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la nature. L'importance de s'accorder des moments où justement nous pouvons souffler et nous reconnecter avec la nature. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose dont je pense chacun et chacune d'entre nous avons besoin. Et le fait de vivre dans ce que j'appelle une jungle urbaine, ne m'en voulez pas hein, pour toutes celles et ceux qui vivent dans cette jungle urbaine, d'appeler ça comme ça, vous n'avez pas d'excuses parce qu'il y a toujours un endroit, que ce soit un parc, où on a la possibilité justement de prendre une pause, de se déconnecter pour se reconnecter avec cette nature dont finalement nous sommes issus. L'être humain, c'est quelque chose que je dis très souvent, n'est pas fait pour vivre dans le béton, au milieu du béton. La société a évolué de sorte à ce qu'aujourd'hui, nous y soyons contraints. Mais c'est une contrainte et ça n'a rien de naturel. Donc on compose avec, on fait avec, pour des raisons diverses et variées. Mais nous ne sommes pas faits à l'origine pour vivre au milieu du béton. Donc vraiment, j'aimerais que vous puissiez entendre ce message et je vous invite chacun et chacune à prendre le temps, quand cela vous est possible, de vous accorder des moments où justement vous pouvez vous reconnecter avec votre moi profond et la nature. Je terminerai en disant ceci. N'oublions pas ce que nous sommes. N'oublions pas les êtres divins que nous sommes et cessons de nous aventurer vers des chemins dont nous savons que l'issue sera de nous perdre. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches
Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.